Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, mon roi, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. Guéris en nous, c'est toi que je veux chanter. I surrender all to you. Everything I give to you. If all did not think. If all did not think, if all did not think, if all did not think, I surrender, I surrender to you. Everything I give to you. Bienvenue dans les Seigneurs. Nous vous saluons dans le nom merveilleux de Jésus-Christ et nous vous aimons dans le nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour cette journée qu'il nous a accordée, pour que nous puissions partager sa parole. Nous sommes toujours accompagnés de Papa Obed qui est venu à notre compagnie pour que nous puissions ensemble prier. Mais avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, nous allons incliner nos têtes dans la prière. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi le Dieu Tout-Puissant, toi le Maître des temps et des circonstances. Merci Jésus pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé. Merci pour la santé, merci pour la vigueur, merci pour la force que tu nous as donnée en ces jours. Nous voulons recommander nos bien-aimés qui vont nous suivre cet après-midi entre tes mains. Laisse au Dieu que la parole éternelle qui va sortir en ces lieux produise des fruits digne de la repentance dans la vie de tout un chacun. Nous voulons être un canal que toi, tu vas utiliser pour annoncer tes oracles, parce qu'il est écrit, si vous séparez ce qui est précieux de ce qui est vil, vous serez comme ma bouche. Que de notre bouche sortent des paroles de bénédiction, des paroles de délivrance, qui va libérer encore un frère et qui va libérer une sœur. Nous venons dans le nom de Jésus déprogrammer, annuler tous les plans du monde des ténèbres. Nous renversons tout ce que l'ennemi a planifié avec ses acolytes. Quels que soient les envoûtements, les incantations, nous les déprogrammons, nous les rendons nuls et de nul effet, et cela au nom de Jésus-Christ. Nous lions tout aveuglement, surdité spirituelle, incrédulité, nous les rendons nuls et de nul effet, et cela au nom de Jésus-Christ. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Merci Saint-Esprit de Dieu de nous conduire dans toute la vérité, de glorifier Christ en ce lieu. Merci Seigneur de libérer un frère, de libérer une sœur au travers de ta parole puissante selon qu'il est écrit à l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Merci pour ton sang qui nous couvre et qui nous rend invisibles aux yeux et aux attaques du monde des ténèbres. Sois béni pour ta fidélité, pour ton amour, pour ta grandeur, pour ta bonté et pour ta puissance. Que la louange, l'adoration te reviennent à toi et à toi seul. C'est dans le nom puissant et merveilleux du Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié avec action des grâces et nous disons Amen. Bienvenue dans le Seigneur, nous bénissons notre Dieu qui a permis que nous puissions nous retrouver encore cet après-midi pour pouvoir partager la parole de Dieu et prier sur les messages qui nous avaient été donnés ce dimanche de la bouche de Maman Olangi de Rez Mémoire qui nous a parlé du Saint-Esprit. Et dans la prêche de Maman Olangi, elle a parlé qu'on devait recevoir le Saint-Esprit pour comprendre les affaires du royaume. La nécessité de recevoir le Saint-Esprit pour comprendre les affaires du royaume. C'est ainsi qu'elle va nous parler de comment est-ce que Jésus était mort. Et quand il est mort, comment ses disciples sont restés en expectation après la résurrection de Jésus. Mais comment ils avaient été interpellés pour rentrer dans la chambre haute et attendre ce qui avait été promis, c'est-à-dire
le Saint-Esprit de Dieu. Et nous pouvons lire ça dans les livres des Actes des Apôtres, au chapitre 1, les versets 1 au verset 8. Actes des Apôtres 1, verset 8, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Versets 1 à 8. 1 à 8. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé du ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il y eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant de choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Voilà comment est-ce que Jésus, après sa résurrection, il est apparu aux apôtres. Et il leur a demandé de rester confinés, comme toi et moi nous sommes restés confinés, de demeurer dans la présence de Dieu, de rester dans la chambre haute pour attendre ce que le Père avait promis. Mais il voulait savoir quand est-ce que cette promesse va-t-elle se réaliser. Jésus dit, ce n'est pas à vous de connaître l'heure ou le temps où ça va se réaliser, mais ce qui est sûr, c'est que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Samarie, à Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que Jésus a promis, Dieu a promis aux apôtres qu'ils recevraient la puissance. Mais pour recevoir la puissance, ils devaient se retirer dans la chambre haute. C'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont retirés de la chambre haute et ils sont restés confinés en attendant l'avènement du Saint-Esprit. Et Maman Olangi nous a expliqué qu'au chapitre 2, alors qu'ils étaient dans la chambre haute, le jour de la Pentecôte, tout à coup, il y a eu un bruit qui est un peu tué là où ils étaient réunis. Et ils ont commencé à parler à plusieurs langues. Même des langues qu'ils ne connaissaient pas auparavant, ils parlaient dans l'autre langue. Et les personnes qui étaient là, ils les entendaient parler dans leur langue. Et c'est comme ça que Pierre, rempli du Saint-Esprit, il a commencé maintenant à parler du royaume de Dieu. Il a commencé à parler de Jésus. Et l'assistante qui était là, les gens qui ont écouté les discours de Pierre, mais ils ont posé la question à Pierre, que ferons-nous pour que nous puissions aussi recevoir ce que vous avez reçu, pour que nous puissions recevoir la puissance. C'est alors que Pierre, rempli du Saint-Esprit, a commencé maintenant à répondre à l'assistance. Mais qu'est-ce qu'il a répondu à l'assistance? Nous lisons Actes chapitre 2, le verset 37 au verset 39. Acte 2, verset 37 au verset 39, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre lui dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. »
Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Amen. Amen. Après avoir entendu ces discours, les discours de Pierre, parce que ce jour-là, Pierre, il a gagné 3000 âmes. Il y avait 3000 personnes qui ont suivi son discours et qui ont cru en Jésus, qui ont donné leur vie en Jésus. Mais après avoir suivi les discours de Pierre, ils ont posé, ils eurent les cœurs vivement touchés, la Bible dit, et ils ont posé la question à Pierre et aux autres apôtres. Hommes, frères, que ferons-nous? Qu'est-ce que nous devons faire, mon frère, ma sœur, pour que nous puissions vivre la Pentecôte, pour que nous puissions expérimenter la Pentecôte, pour que nous puissions expérimenter les dons du Saint-Esprit? Que ferons-nous? Et Pierre leur dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est comme ça que Maman Olang Dérèse, mais moi, on nous a expliqué, il dit que non, la clé pour que nous puissions accéder, pour que nous puissions recevoir les dons de Dieu, c'est la repentance. Il y a des personnes qui se disent, ben, ils ont assez fait la repentance. Mais la repentance, c'est quelque chose que tu dois faire continuellement, comme elle disait, qui t'éloigne de plus en plus des ténèbres et tu vas vers la lumière. La repentance, non seulement ça nous aide à recevoir la puissance de Dieu, mais aussi à conserver, à garder la puissance de Dieu. C'est comme ça que dans les livres de Colossiens, chapitre 1, versets 12 à 14, qu'est-ce qu'il est écrit? Colossiens 1, 12 à 14. Colossiens 1, 12 à 14, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Amen. Amen. Il a dit que rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Donc, nous rendons grâce à Dieu qui nous a rendus capables de prendre part. Parce que nous n'avions pas part. On ne pouvait pas prendre part à l'héritage des saints. Mais le Dieu Tout-Puissant nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints. Mais dans la lumière, on ne prend pas part à l'héritage des saints dans les ténèbres. À prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Et qui nous a transportés. C'est-à-dire qu'il nous a fait quitter de là où nous étions dans les ténèbres. Donc c'est un transport. C'est-à-dire que tu dois faire un déplacement, quitter les ténèbres pour aller vers la lumière. La Bible déclare, et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés. Ça veut dire qu'il y a un transport. Il y a un déplacement que nous devons faire pour aller, pour accéder à l'héritage, pour accéder à la bénédiction. Parce que Maman Olang Dérèse Mémoire disait qu'il y a des gens qui sont nés dans un système ténébreux où tout a été consacré déjà dans les ténèbres. Les diplômes dans les ténèbres, les mariages dans les ténèbres, les enfants dans les ténèbres, la santé dans les ténèbres. Et quand nous venons en Jésus, parfois tu te retrouves dans une situation déjà où toute la vie a été déjà consacrée dans les ténèbres. Et maintenant, quand nous acceptons Jésus,
C'est vrai qu'on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais il faudrait ces processus de repentance pour que nous puissions faire les mouvements, transporter les ténèbres pour aller vers la lumière. Et mais c'est un processus qui s'est fait au fur et à mesure. Si nous lisons même dans les livres de 2 Corinthiens, au chapitre 6, spécialement les versets 14 au verset 18, qu'est-ce que la Bible nous dit ? Deux Corinthiens 6, 14 à 18. Deux Corinthiens 6, 14 à 18. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Où y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Alléluia. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Dis amen. Amen. Ne touchez pas à ce qui est impur. Donc, pour le problème de Dieu, ce n'est pas le problème avec un homme, mais c'est le problème avec l'impureté. La Bible est claire. J'y reviens. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Parce que Jésus dit, mon joug est léger et doux. Prenez mon joug, car il est léger et doux. Mais ne vous mettez pas ensemble avec les infidèles sous un joug étranger, les jougs de la sorcellerie, les jougs de la coutume. Car, la Bible me dit maintenant, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Donc d'abord, première chose, il n'y a pas de rapport entre la justice et l'iniquité. Parce que l'iniquité nous condamne. Parce que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui les haïssent. Il dit, préparez les massacres des fils à cause de l'iniquité. Notre Dieu, c'est un Dieu de justice. Maintenant, toi, tu veux bénéficier de la justice de Dieu, il faut te débarrasser de l'iniquité. Il n'y a pas de rapport. C'est pourquoi nous faisons notre repentance, parce que nous avons vécu dans un environnement inique, là où il y a des iniquités. Nous avons grandi dans l'iniquité, comme disait David, dans le psaume 51. Il dit, je suis né dans l'iniquité, j'ai été conçu dans l'iniquité. Il n'y a pas de rapport. Deuxième point, il dit, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? On ne peut pas mettre ensemble la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de commun accord. Nous sommes au combat spirituel. Il y a deux mondes. Il y a deux camps. Les camps de la lumière et les camps de ténèbres. Il n'y a pas de juste milieu. Il dit, qui as-tu de commun? On dit, Dieu vit que la lumière était bon. Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Il n'y a rien de commun. C'est comme ça que si nous sommes nés dans les ténèbres, ou tu évolues dans les ténèbres, il n'y a rien de commun avec la lumière. Il faut maintenant quitter les ténèbres. Mais pour quitter les ténèbres, il me faut la repentance. La Bible dit, quel rapport y a-t-il entre, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ici maintenant on parle d'un accord. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Parce que Bélial, c'est un dieu. C'est peut-être un dieu de famille.
C'est un Dieu de la coutume, c'est un Dieu de nos origines. Maintenant, on dit quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Il n'y a pas d'accord. Ou vous acceptez Christ, vous rejetez Bélial. Ou vous acceptez Bélial, vous rejetez Christ. Il n'y a pas d'accord. Quatrième point. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quelle part? La Bible dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Quelle part? Quelle est ta part avec les infidèles? Quelle est ma part avec les infidèles? Il n'y a pas de part. La Bible dit, quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? La Bible déclare, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Mais la Bible dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Et le temple des idoles. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous dit l'Éternel. Dis amen. Amen. C'est pourquoi sortir, maman Olangi disait sortir, ce n'est pas, non, je suis sorti de cette église, et je ne suis plus de cette église, j'étais dans l'église traditionnelle, mes parents priaient là-bas. Non, ce n'est pas les sorties physiques. Sortie spirituelle, spirituellement. Qu'on ne te voie plus là-bas, que tu ne puisses plus rêver que tu es avec eux, que tu ne rêves plus que tu manges avec eux, que tu ne rêves plus que tu es dans les manifestations des fêtes avec les gens dans les ténèbres et la nuit, que tu ne rêves plus la nuit que tu es au milieu des serpents, que tu ne rêves plus la nuit que tu es en train d'accoucher la nuit ou que tu es en train de te marier la nuit. Sortez du milieu d'eux. C'est par la repentance que tu vas sortir. Séparez-vous. La séparation n'est pas forcée. Ce n'est pas une séparation physique. C'est une séparation d'abord spirituelle. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. En fait, en réalité, le problème de Dieu, c'est que de l'autre côté, dans les ténèbres, chez les infidèles, là où il y a l'iniquité, tout cela... Chez Bélial, il y a ce qui est impur. Il y a les impuretés. Et ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Mon frère, ma soeur, il y a des personnes qui sont des enfants de Dieu. Mais ils ne sont pas les fils de Dieu. Ils ne sont pas les filles de Dieu. C'est seulement quand tu te sépares avec les ténèbres, tu te sépares avec les impuretés, que tu vas devenir la fille de Dieu ou le fils de Dieu. Pas seulement rester un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, tout le monde peut l'être. Mais être le fils ou la fille, c'est donner seulement aux personnes qui obéissent. Comme disait Maman Lang, il y a des gens qui veulent voir la gloire de Dieu, mais qui sont incapables d'obéir au principe de Dieu, d'obéir au commandement de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu. C'est comme ça que c'est difficile à beaucoup de gens de pouvoir voir la gloire de Dieu parce qu'ils ne veulent pas faire les mouvements. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, qu'est-ce qu'on nous dit? 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 3 à 8. Thessaloniciens 4, 3 à 8, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, ce que vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Alléluia. Sans vous livrer avec une convoitise pensionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que c'est le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses.
comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son esprit. Amen. Amen. Bien-aimé, répétez cela, c'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est notre sanctification. Ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de nous. Parce que peut-être tu te dis, mais repentance. Mais Dieu veut, ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu attend de moi, ce que Dieu attend de nous, c'est notre sanctification. Que nous puissions nous abstenir de certaines choses, dont l'impudicité. Que nous puissions nous abstenir de l'impudicité. Et dire que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ce que personne nie envers son frère des fraudes, des cupidités dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avions déjà dit et attesté. Donc il y a certaines choses que nous sommes en train de faire, certains comportements, c'est le comportement des ténèbres, c'est le comportement des infidèles, c'est le comportement des Bélial. Et la Bible dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Ne touchez pas à ce qui est impur. Mon frère, ma soeur, même si tu es déjà engagé dans les Seigneurs, si tu commences encore à toucher à l'impureté, Dieu ne t'a pas appelé à l'impureté. Il ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu nous a appelés à la sanctification. Dieu vient donner l'Esprit, mais là où les gens sont sanctifiés. Je me souviens de la prière que Jésus avait enseignée aux apôtres. Il dit, Seigneur, montre-nous comment nous devons prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, et que ton règne vienne. J'ai toujours dit, il y a beaucoup de gens qui veulent les règnes de Dieu dans leur vie, mais ils sont incapables de sanctifier les noms de Dieu. Écoutez, mon frère, ma soeur, les règnes de Dieu ne peuvent pas venir là où le nom de Dieu n'est pas sanctifié. Mais pour sanctifier les noms de Dieu, il faut avoir une vie de repentance, non seulement pour t'éloigner de plus en plus du ténèbre et aller vers la lumière, mais aussi de conserver le Saint-Esprit, les dons que Dieu a mis à ta disposition. Alors, il est temps maintenant, mon frère, que toi aussi tu puisses prendre la décision. Comme ce jour-là, les personnes que Pierre avait prêchées, donc, que ferons-nous? Il dit, non, il y a une clé pour que vous puissiez recevoir les dons du Saint-Esprit. Répentez-vous, parce que la promesse qu'on a donnée dans Actes 1:8 est pour vous et pour toi, mon frère, et pour tes enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin, même ceux qui sont à Matongé, même ceux qui sont encore dans les prisons, même ceux qui sont encore égarés, en aussi grand nombre que l'Éternel, notre Dieu, les appellera, pourvu qu'ils acceptent de quitter les ténèbres et de venir vers la lumière par la repentance. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous allons encore revenir dessus, parce que c'est là la clé. Même si tu es déjà dans les champs de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu es serviteur de Dieu, mais c'est mieux que tu puisses pousser encore pour que tu deviennes un fils et que tu deviennes une fille de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, sans plus tarder, nous voulons passer un moment dans la présence de Dieu, dans la prière. Si tu as été vraiment touché par la parole, là où tu es, lève-toi. Pour remercier d'abord notre Dieu. Commence à dire merci à Dieu, du Seigneur, je te remercie.
pour la parole que tu nous as donnée encore ce soir. Je te remercie parce que tu m'as parlé. Je te remercie parce que tu m'as instruit. Je te remercie parce que tu m'as corrigé. Je te remercie parce que toi, Seigneur, tu as ouvert mes yeux spirituels. Tu as débouché mes oreilles spirituelles. Et tu as renouvelé mon intelligence. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci le Tout-Puissant. Merci le Saint des Saints, le comparable Dieu. Gloire te soit rendue. Louange à toi Seigneur. Adoration à toi Seigneur. Pour ta parole puissante. Oh Jésus. Toi le Dieu qui est derrière la parole qui sort de la bouche de tes serviteurs. Pour l'accomplir par des signes, des miracles et des prodiges. Nous t'adorons Seigneur. Nous te magnifions. Nous t'exaltons. Sois adoré. Sois magnifié. Louange te soit rendue. Adoration te soit rendue. Au nom de Jésus. Bienvenue dans le Seigneur. Comme nous l'avions annoncé, nous allons commencer d'abord par la repentance. Nous allons lire dans les livres d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 6. Nous lisons le verset 1 au verset 5. Ésaïe 6, 1 à 5, nous en lirons au nom de Jésus-Christ. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins s'étenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont il se couvrait la face, deux dont il se couvrait les pieds, dont deux dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple, dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, Éternel des armées. Amen. Amen. La Bible dit, l'année de la mort du roi Ozias, Ésaïe le prophète, il a vu les séraphins qui étaient en train d'adorer le Seigneur. Et la Bible dit, ils ont dit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Trois fois Saint. Il dit, quand il a vu qu'il y avait la gloire de Dieu, il s'est regardé lui-même. Il dit, malheur à moi. Je prophétise, mais avec des lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple impur, souillé. Mon frère, ma soeur, nous devons nous regarder. Il dit, malheur à moi. Je suis perdu. Quand je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mon frère, ma soeur, lève tes mains en l'air. Nous allons dire aussi, malheur à moi. Malheur à moi. Regarde-toi, mon frère, ils ont dit malheur à nous. Parce que nous avons des lèvres impures, des mains suées, comme on dit dans Ésaïe 59, suées de sang. Et nous habitons au milieu d'un peuple impur. Oh, mon frère, ma soeur, là où tu élèves tes mains, lève tes mains en l'air. Lève tes mains en l'air. Répète, dis malheur à moi. Malheur à moi. Seigneur, malheur à moi. Parce que je suis un homme avec des lèvres impures. Oh, j'habite au milieu d'un peuple qui a des lèvres impures, Seigneur. Oh, Jésus. C'est pourquoi je lève mes mains devant de toi, éternel mon Dieu, pour implorer ta miséricorde. Pour implorer ta miséricorde, Seigneur Jésus. Oh, quand bien même, éternel Dieu de gloire. Oh, Jésus, nous prophétisons. Quand bien même éternel, nous te servons, Seigneur, nous avons des lèvres impures et nous habitons au milieu d'un peuple qui a des lèvres impures. Oh Jésus, de près nous crions, malheur à nous, Seigneur, malheur à moi, Jésus,
Malheur à moi, l'homme de Galilée. Malheur à moi, le puissant d'Israël. Malheur à moi, le Saint et Saint Jésus. Malheur à moi, ô Dieu. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Jésus de Nazareth. Ô Jésus, pardonne-nous éternellement, Dieu. Pardonne à ton peuple, Seigneur. Pardonne à ton peuple, Seigneur. Pardonne à ma maison, éternellement, Dieu. Pardonne à ton peuple, ô Dieu. Jésus. Oh Jésus, pardonne Seigneur, parce que nous habitons dans les milieux des impuretés, Seigneur. Oh Jésus, nous avons renouvelé notre invocation éternellement, tu vois, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde. Roboko Sakabashine, Goroboko Sakabashine, Rekeabaka Sakabashine, Goroboko Sakabashine, Rekeabaka Sakabashine, Goroboko Sakabashine, Jésus. Jésus, Jésus, à 17. Déchronique 29, 16 à 18. À 17. À 17, pardon, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel et les mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel, où les Lévites les reçurent pour les emporter dehors au torrent de Cédron. Ils commencèrent ces purifications le premier jour du premier mois. Le huitième jour du mois, ils entrèrent dans le portique de l'Éternel. Ils les mirent 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. Le 16e jour du premier mois, ils avaient achevé. Amen. Amen. Il est écrit, les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. La première année du règne du roi Ézéchias, il a commencé d'abord par purifier la maison de l'Éternel. Et la maison de l'Éternel, c'est ta vie, c'est ma vie, parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il faut la purification de la maison de l'Éternel. La Bible dit, ce n'est pas ce qui sort, c'est ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche de l'homme. Ce qui est au-dedans de nous. Nous devons purifier notre intérieur. Dans Matthieu 15, on dit, on peut lire Matthieu 15. 16 à 20, pour la purification du temple. Matthieu chapitre 15, verset 16 à 20. Matthieu 15, 16 à 20, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Pierre, prenant la parole, lui dit. Non, Matthieu 15, 16 à 20. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Matthieu 15, 16 à 20, dans le nom de Jésus-Christ. Expliquez-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis jeté dans le lieu secret. Et ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et ce qui suit l'homme, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Amen. Amen. Le Bible, ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort qui suit l'homme. Mais c'est ce qui sort de la bouche vient du cœur.
et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies et toutes ces choses mauvaises. C'est ça qui nous suit. Nous allons demander à Dieu de nous laver de toutes ces suites, tout ce qui est en train de nous suer, les mauvaises pensées, les adultères. Nous allons crier à Dieu, Seigneur, nous ne voulons pas de ces choses-là. Pardonne-nous pour ces choses-là qui est en train de nous suer. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, nous venons éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Oh, implorer ta miséricorde. Oh, Jésus, pour les suivre qui sont au-dedans de nous, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Pour toutes ces choses, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Qui nous suit, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, Jésus. Les adultères, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Les impudicités, Seigneur. Les mauvaises pensées, éternel mon Dieu. Les meurtres, éternel mon Dieu, mon Seigneur. Les convoitises, éternel mon Dieu. L'idolâtrie, éternel mon Dieu, mon Seigneur. Toutes ces choses, tu nous suis, éternel mon Dieu, mon Seigneur. Toutes ces choses, éternel mon Dieu, qui ont amené à nous l'impureté, Seigneur. Oh Jésus, pardonne-nous, éternel mon Dieu, mon Seigneur. Pardonne-moi pour les suies qui sont dans mon cœur, éternel mon Dieu, mon Seigneur. Qui sont collées à moi, Seigneur. Oh Jésus, qui sont attachés à moi. Koroboko sakabashine. Reke abakasaka. Koroboko sakabashine. Reke abakasakabashine kesaka. Koroboko sakabashine. Reke abakasakabashina. Oh Seigneur, tu as dit le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Oh Jésus. Oh, notre cœur est tortueux, Seigneur. Dans notre cœur, c'est là qu'il y a de mauvaises pensées. C'est là qu'il y a le meurtre, c'est là qu'il y a des jalousies, c'est là qu'il y a l'animosité, c'est là qu'il y a des adultères, c'est là qu'il y a des envies. Oh Seigneur, oh nous venons avec nos cœurs éternel mon Dieu, au devant de toi Seigneur Jésus. Roboko sakabashine, koroboko saka. Oh Jésus, pour implorer ta miséricorde. Oh parce que toi tu sens de les reins, tu sens de les cœurs. Seigneur, tu vois la profondeur de nos cœurs éternel mon Dieu, pour la Seigneur. Ce qu'il y a dans nos cœurs, toi tu le vois Jésus. Roboko saka. Purifie-moi, Jésus, purifie-moi. Purifie-moi, Jésus. Purifie-moi. Purifie-moi, Jésus. Oh, purifie-moi. Purifie-moi, Jésus. Oh, purifie-moi. Purifie-moi, Jésus. Oh, purifie-moi. Oh, purifie-moi, purifie-moi, Jésus. 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 Oh, purifie-moi. Zacharie, chapitre 13, le verset 1 au verset 2. Purifie-moi, Jésus. Purifie-moi, Jésus. Purifie-moi, Jésus. Zacharie, chapitre 13, le verset 1 au verset 2. Zacharie 13, le verset 1 au verset 2, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem. Pour les péchés et pour l'impurité, en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays le nom de ses idoles, afin qu'on ne s'en souvienne plus. J'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit de l'impurité. Amen. Amen. En ces jours-là, une source sera ouverte
pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour les péchés et pour l'impureté. Il est écrit dans 1 Jean 1, 9, « Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner et pour vous purifier de toute iniquité. » Nous allons demander que Dieu purifie nos cœurs, purifie nos âmes, purifie nos esprits. Lève tes mains à l'air, tu vas demander la purification. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Ce soir. Moi, Amonce. Moi, Obed. Je reconnais. Que au dedans de moi. Il y avait des impuretés. Mon corps était sué. Mon âme était suée. Mon esprit était sué. Mais toi, tu as dit ne touchez pas à ce qui est impur. Mais ce qui était dans mon cœur. A sué mon corps, a sué mon âme, a sué mon esprit. C'est pourquoi ce soir, je viens t'invoquer, Seigneur. Parce que toi, tu as dit, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner et pour vous purifier de toute iniquité. Purifie mon cœur, purifie mon âme, purifie mon esprit, purifie mon conscience, Jésus. Demande la purification. En ce jour-là, dit le Seigneur des armées, j'exterminerai du pays les noms des idoles afin qu'on ne s'en souvienne plus. Jeterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Nous allons demander que Dieu puisse enlever l'esprit d'impureté en nous. L'esprit d'impureté dans l'église. L'esprit d'impureté dans les enfants de Dieu. Nous allons demander, Seigneur, nous ne voulons plus de cet esprit d'impureté. Des faux prophètes. L'esprit d'impureté, prions le Seigneur. Oui, Seigneur, nous venons éternellement, mon Dieu, mon Seigneur. Oh, Jésus, d'implorer, Seigneur. Viens enlever cet esprit d'impureté. L'esprit d'impureté à l'église. Oh, l'esprit d'impureté. Oh, Jésus, dans la communauté, Seigneur. Jésus.
l'esprit d'impureté dans notre milieu près de toi. Jésus, l'esprit d'impureté dans ma maison. L'esprit d'impureté dans mon église, dans mon assemblée. Oh, l'esprit d'impureté dans mon milieu. Jésus, dans ma vie. L'esprit d'impureté, l'esprit des faux prophètes, des faux prophètes, des fausses prophétesses. L'esprit d'impureté, des faux prophètes, des fausses prophétesses. Nous demandons maintenant que cet esprit-là soit ôté au nom de Jésus. Robokosaka, Rekeabakasaka, Machine, Korobokosaka, Rekeabakasaka. Oh Jésus, oh Jésus, viens laver ton église, viens laver ton église, viens laver ton assemblée. Oh, viens laver ton église de l'esprit de faux prophètes éternellement, Dieu, Seigneur, de l'esprit d'impureté, de fausses prophétesses. Oh Jésus, Robokosaka. Roboko sakabashine, koroboko sakabashine, rekeabaka sakabashine, koroboko sakabashine, roboko sakabashine, koroboko sakabashine. Jésus, 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 dans ta maison, oh Jésus. Oh Seigneur, que l'esprit d'impureté nous quitte. Oh Jésus, que l'esprit d'impureté nous quitte. Oh Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, que l'esprit de Dieu s'élève. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, que l'esprit s'élève, mon Dieu, d'impurité, l'esprit de faux prophète. Oh Jésus, viens ôter Jésus Christ, Père. Oh Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Jésus. Ésaïe dit, j'habite au milieu d'un peuple qui a des lèvres impures. Ils ont demandé que Dieu purifie aussi le peuple qui est avec nous, que le peuple qui habite avec nous soit aussi purifié. Que nos familles soient aussi purifiées, que nos maisons soient purifiées. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Au sein d'Israël, nous te les prions. Nous avons demandé la purification des peuples qui habitent avec nous, des peuples qui sont avec nous. Nous avons demandé que Dieu purifie ceux qui sont avec nous, les peuples qui sont avec nous, les milieux dans lesquels nous vivons. Prions les Seigneurs. Oh Jésus. Le Seigneur demande la purification éternellement, Dieu, mon Seigneur. Oh Seigneur, le peuple qui habite autour de nous, éternellement, Dieu, mon Seigneur. Le peuple qui est autour de nous, Seigneur Jésus. Oh Père, parce que Esaïe a dit, j'habite au milieu d'un peuple qui a des lèvres impures. Oh Seigneur, délivre ce peuple-là de l'impureté. Délivre le peuple de la Belgique de l'impureté. Le peuple de Bruxelles de l'impureté. Oh, délivre ton église. Oh Jésus, de l'impureté, éternellement, Dieu, mon Seigneur. Kabashine, Koroboko Saka, Reke Abakasaka, Koroboko Yabaka. Koroboko yabasaka bashine, Roboko saka bashine, Reke yabakasaka, Koroboko saka. Jésus, 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 Jésus. Purifie ta maison à travers le sang de Jésus. Merci Seigneur Jésus Christ. Merci Seigneur Jésus Christ. Ésaïe chapitre 10 verset 27. Ésaïe 10 verset 27. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. En ces jours, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et la graisse se fera éclater le joug. Amen. Amen. On dit, son fardeau sera enlevé au-dessus de ton cou et la graisse se fera éclater les jougs. La graisse, c'est l'onction. C'est le Saint-Esprit qui fera éclater les jougs. Avant que les jougs s'éclatent, il faut qu'il y ait la présence de l'huile. Il faut qu'il y ait de la graisse. Kita ya solo kita, 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 kita ya solo kita, molimo mo santo e kita, kita, molimo nanzambe. Kita ya solo, oh
moli mona moto e kita moli mona nzambe kita moli mona santo e kita ya solo oh moli mona santo e kita moli mona nzambe oh moli mona santo e ya solo oh moli mona santo e moli mona nzambe oh moli mona nzambe ya solo. Nous demandons que l'esprit de Dieu vienne, que l'huile de Dieu vienne en nous, qui va l'huile de Dieu qui va briser les jougs, que l'huile descende sur nous. Je veux dire que l'huile de Dieu, que l'onction de Dieu descende sur nous. Prie le Seigneur et dis: Seigneur, je veux que l'onction de Dieu, la graisse, oh, vienne sur moi au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Oh Jésus. Nous avons besoin de ton esprit, Seigneur. Nous avons besoin éternellement, Dieu, de ton huile éternellement, Dieu. Nous avons besoin de cette huile-là, de cette graisse-là. Oh Jésus, qui est capable de briser éternellement, Dieu, les jougs. Oh Jésus, qui est capable éternellement, Dieu, Seigneur, de détruire les jougs éternellement, Dieu, Seigneur. Oh Jésus, nous venons invoquer éternellement, Dieu, Seigneur, ton esprit saint éternellement, Dieu, Seigneur. Roboko Saka, l'esprit de puissance, l'esprit de force. Nous avons besoin de toi éternellement, Dieu, Seigneur. L'esprit du Dieu vivant. Oh Jésus, nous avons besoin de toi ce soir. Nous t'invitons ce soir. Viens dans nos vies éternellement, Dieu. Oh, toi l'unique capable de briser les jours. Jésus, Roboko Saka. Koroboko Yabaka Saka. Reke Yabaka Saka. Koroboko Saka. Reke Yabaka Saka. Oh, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Mon frère a besoin de toi. Ma soeur a besoin de toi. L'église a besoin de toi. Jésus, Reke Yabaka. Koroboko Yabaka Saka Bashide. Rebeke Yabaka Saka Bashide. Koroboko Saka. Jésus, Saint-Esprit, descend nos vies. Jésus, Roboko Yabaka, Reke Yabaka Sakabashi. Jésus, Saint-Esprit, oh Saint-Esprit. Bien aimé dans le Seigneur, là où tu es, maintenant nous allons nous lever. Parce que nous allons briser maintenant les jougs. Pourtant, ne vous mettez pas ensemble avec des infidèles sous un joug étranger. Nous lisons Nahum, chapitre 1, verset 13. Nahum 1, verset 13. Nahum 1, verset 13. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Je briserai maintenant son joug de dessus toi. Et je romprai tes liens. Amen. Amen. Voici, il dit, je briserai maintenant son joug de dessus toi. Et je romprai tes liens. La Bible ne te met pas ensemble avec les infidèles sous un joug étranger. La plupart des gens sont sous les jougs. Les jougs, c'est ces liens-là qu'on met entre les bœufs d'une même personne. Et quand vous êtes dans une même famille, vous êtes sous les jougs. Les jougs étrangers, c'est les jougs qui est les jougs de la coutume, les jougs de la famille, les jougs de la sorcellerie, les jougs qui est dans les hôtels de la famille. Nous allons briser les jougs. Tu vas dire, quels que soient les jougs qui m'attachaient avec ma famille, qui m'attachaient dans la coutume, qui m'attachaient dans la sorcellerie, quels que soient les jougs qui m'attachaient encore au village, dans la forêt, qui m'attachaient dans les eaux. Tu vas briser ces jougs-là. Que ces jougs-là se brisent ce soir. Vous allez me lever. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par ma propre volonté. Par ma propre volonté. Et par la puissance du Saint-Esprit. Et par la puissance du Saint-Esprit. Moi, Amance. Moi, Obed. Je déclare ce soir. Je déclare ce soir. Que je ne voudrais plus. Que je ne voudrais plus. Faire partie. Faire partie. Du joug étranger. Du joug étranger. Quels que soient les jougs. Quels que soient les jougs. Auxquels j'étais attaché. Auxquels j'étais attaché. Avec toute ma famille. Avec toute ma famille. Les jougs de la coutume. Les jougs de la coutume. Les jougs de la sorcellerie. Les jougs de la sorcellerie. Les jougs de la maladie. Le joug de la maladie, le joug de la mort, le joug de la mort, le joug du célibat, le joug du célibat, ce soir, le joug de la pauvreté, je te brise.
brise maintenant. Je me détache de ces jougs au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie. Détache-toi du joug. Détache-toi du joug au nom de Jésus. Je refuse le joug de la coutume. Je refuse le joug de la sorcellerie. Je refuse le joug de la coutume. Le joug de la maladie. Le joug de la mort. Le joug du blocage. Je brise ce joug. Je me détache de ce joug. Détache-toi de ce joug. Détache-toi de ce joug. Détache-toi de ce joug. Détache-toi de ce joug. Au nom de Jésus. Prie ce joug. Le joug de la maladie. Le joug de la mort. Le joug de la pauvreté. Le joug. Le joug de la coutume. Qui t'a resté dans les hôtels de la coutume. Je brise. Je brise le joug. C'est l'hôtel numéro 20. Je brise ce joug. Au nom de Jésus. Brise le joug. Dans le nom de Jésus. Brise le joug. Le joug qui t'attachait. Le joug qui t'attachait. Roboko Saka. Yebeke Saka. Roboko Saka Vashi. 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 Rekebaka Saka. Roboko Saka. Rekebaka Saka. Jésus. Oh que ce joug. Oh que ce joug soit brisé. Oh que ce joug soit anéanti. Oh que ce joug soit détruit. Au nom de Jésus. Rekebaka Saka. Roboko Saka. Au nom de Jésus, ça est brisé. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit ceci. Dans Psaume 32, la Bible déclare, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Heureux l'homme à qui la transgression est remise. À un certain moment, tu as transgressé, mais Dieu, il te pardonne de tes iniquités. Et qui est celui à qui la transgression est remise et les péchés sont pardonnés. Heureux celui à qui l'homme n'impute pas l'iniquité. Dieu ne t'impute pas l'iniquité. C'est comme ça que nous allons voir comment est-ce que les diables nous imputent l'iniquité. Les diables nous collent l'iniquité. Ce soit, quelle que soit l'iniquité qui était en toi, nous allons nous détacher de toute iniquité. Zacharie, chapitre 3, verset 1 à 3. Même si on t'a accusé, même si l'iniquité t'avait chargé, l'iniquité t'avait collé, tu vas te détacher de l'iniquité. Tu vas briser toute iniquité. Zacharie, chapitre 3, verset 1 à 3. Zacharie 3, 1 à 3, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Il me fit voir Josué, le grand sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. » N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange. Amen. Amen. Regarde, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Pourquoi l'accuser? Parce qu'il y avait des vêtements sales. Il y avait l'iniquité. La Bible, verset 4 dit, l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit
à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te réveille d'habit de fête. » Amen. Amen. On dit, « Enlevez les vêtements sales. Ôtez-lui les vêtements sales. » On a les mains levées. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par ma propre volonté. Par ma propre volonté. Et par la puissance du Saint-Esprit. Et par la puissance du Saint-Esprit. Moi, Amance. Moi, Obed. Je déclare ce soir. Je déclare ce soir. Quelle que soit l'iniquité. Quelle que soit l'iniquité. Qui était collée à moi. Qui était collée à moi. Comme un vêtement. Comme un vêtement. Dans mon âme. Dans mon âme. Dans mon esprit. Dans mon esprit. Dans mon corps. Dans mon corps. Dans ma conscience. Dans ma conscience. Dans ma subconscience. Dans ma subconscience. Ce soir. Ce soir. Toi, iniquité. Iniquité. Qui était attachée à moi. Je t'ai déchu ce soir. Je t'enlève ce soir, libère ma vie, sors de ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, prie, au nom de Jésus-Christ, déchire les vêtements sales, déchire l'iniquité qui était attachée à toi, l'iniquité qui était attachée à toi, à ton âme, à ton esprit, à ton corps, oh Jésus, à ta conscience, à ta subconscience, quelle que soit l'iniquité des ancêtres, dans ton sang, l'iniquité de ton père, dans ton sang, l'iniquité de la mère, dans les sangs, l'iniquité des ancêtres, dans les sangs, nous détruisons l'iniquité, nous détachons l'iniquité, nous brisons l'iniquité, au nom de Jésus. C'est l'iniquité qui est attachée à moi, dans mon sang, dans mon esprit, dans mon corps. L'iniquité, au travers de mon nom, de mon homonyme, je déchire ces vêtements, je te déloge, je t'enlève, au nom de Jésus. Quelle que soit l'iniquité, Robocosa, les vêtements, chaises, les vêtements sales, je t'enlève, je te détruis, je te neutralise, je te paralyse, je t'enlève, Robocosa, Rekiabakasa, vêtements, au nom de Jésus, tu me quittes maintenant, au nom de Jésus, Robocosa, Yabakasa, Kabashi, au nom de Jésus, avec de force, avec détermination, Verset 5. Et je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Nous avons demandé maintenant que Dieu nous donne un autre vêtement, que nous soyons revêtus. Qui est le vêtement pur? Qui est le turban? Qui est le vêtement pur sur nos corps, sur nos âmes, sur nos esprits? Que Dieu nous revête, qu'il nous donne un autre vêtement, le vêtement de gloire. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, nous demandons l'Éternel, mon Dieu, mon Seigneur, que tu nous donnes un autre vêtement. Oh Jésus, le vêtement de gloire, que tu nous mettes le turban pur. Oh Jésus, le vêtement de gloire, des délivrances, Éternel, mon Dieu, mon Seigneur. Que nous sommes revêtus, oh Jésus, de ta gloire. Que nous sommes revêtus, oh Jésus, Koroboko Sakabashine, Rekabakasaka, Koroboko Sakabashine, Rekabakasaka, Roboko Saka, Rekabakasaka, oh Jésus.
Oh, que tes vêtements soient sur moi. Les vêtements de gloire. 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 Jésus. Oh Seigneur. Les vêtements de gloire sur mon corps. Sur mon âme. Sur mon esprit. Dans ma vie. Au nom de Jésus. Rekebakasa. Korobokoyabakasa. Jésus. Oh, les vêtements propres. Les vêtements blancs dans ma vie, Jésus. Oh Jésus, tes vêtements dans ma vie, Jésus. Oh Jésus-Christ, Père éternel. Lamentations, chapitre 3, versets 1 à 2. Lamentations 3, 1 à 2. Lamentations 3, 1 à 2, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Amen. Amen. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. La Bible déclare, il n'y a pas de communion entre la lumière et les ténèbres. On dit qu'il m'a conduit dans les ténèbres. La misère nous a conduit dans les ténèbres. Nous allons renoncer à toute ténèbre, quel que soit là où nous avons été conduits dans le monde des ténèbres. Nous allons dire, quel que soit l'endroit où nous étions conduits dans le monde des ténèbres, nous renonçons, nous quittons maintenant les ténèbres, là où nous avons été conduits par la coutume, là où nous avons été conduits par la sorcellerie. Amen, levez. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par ma propre volonté. Par ma propre volonté. Et par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare ce soir. Quel que soit l'endroit. Quel que soit l'endroit. Où j'avais été conduit. Où j'avais été conduit. Dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Par la coutume. Par la coutume. Par la sorcellerie. Par la sorcellerie. Par les siècles présents. Par les siècles présents. Ce soir. Ce soir. Quel que soit les ténèbres. Quel que soit les ténèbres. Où j'avais été conduit. Où j'avais été conduit. Ce soir. Ce soir. Je renonce aux ténèbres. Je renonce aux ténèbres. Je renonce aux ténèbres. Quitte les ténèbres, je quitte les ténèbres, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je renonce aux ténèbres, les ténèbres là où j'avais été conduit, là où j'avais été conduit, ténèbres, je te quitte maintenant, oh je te quitte maintenant, je te refuse maintenant, quelles que soient les ténèbres où j'avais été conduit par la sorcellerie, par la coutume familiale, clanique, oh Jésus. Par la magie, par l'occultisme, je renonce aux ténèbres, je renonce aux ténèbres, je quitte les ténèbres, au nom de Jésus, Robokosaka, Yekebakasa, Korobokosaka, Rekebakasaka, Rebete Sakabashima, Robokosaka, Korobokosaka, Rekebakasaka, Korobokosaka Bashimi, Robokosaka, Rekebakasaka, Korobokosaka, Jésus, Jésus. Je quitte les ténèbres. Que sont les ténèbres où je vais être conduit par ma famille, par la coutume, par la sorcellerie. Je refuse ces ténèbres-là qui m'ont conduit dans la misère. Je renonce aux ténèbres familiales qui m'ont conduit dans la misère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Rekia Bakasa, Romo Kosaka, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 59, verset 9 à 10. Ésaïe 59, 9 à 10. Ésaïe 59, 9 à 10, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. La clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons
comme des aveugles et le long du mur. Nous tentonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chasselons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Amen. Amen. C'est pourquoi l'arrêt de la délivrance est loin de nous et les salines ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles. Tu vas dire, je ne veux plus tâtonner. Après, tu ne vas plus tâtonner, même dans ta vie, dans tout ce que tu fais, même dans tes affaires. Je ne vais plus tâtonner. Je ne marcherai plus dans l'obscurité. Je refuse les tâtonnements dans toutes mes affaires. Je refuse de tâtonner. Voyez, me lever. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, par ma propre volonté, par ma propre volonté et par la puissance du Saint-Esprit, moi, Amance, je déclare ce soir, je ne voudrai plus, marcher dans l'obscurité. Je ne marcherai plus dans l'obscurité. Ma vie ne sera plus dans l'obscurité. Ma famille ne sera plus dans l'obscurité. Mes affaires ne seront plus dans l'obscurité. Je ne vais plus tâtonner. Je refuse de tâtonner dans ma vie, à partir de ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, refuse de tâtonner, refuse de tâtonner au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je ne marcherai plus dans les ténèbres, je marcherai plus dans les ténèbres, dans l'obscurité, ma vie ne sera plus jamais dans l'obscurité. Je renonce au nom de Jésus, je refuse de tâtonner, 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 comme un aveugle, je refuse de tâtonner. Je refuse les tâtonnements dans tout ce que je vais entreprendre, dans mes affaires, dans mon ministère. Je refuse de tâtonner au nom de Jésus. Rekabakasaka, Robokosaka, Rekabakasaka. Refuse de tâtonner, refuse de tâtonner. Dis, je ne veux plus tâtonner. Je ne marcherai plus dans les ténèbres, dans l'obscurité. Je refuse l'obscurité. Je ne tâtonnerai plus au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rekabakasaka. Jésus. Je refuse, je ne tâtonnerai plus. Je vais tâtonner au nom de Jésus. Je vais tâtonner au nom de Jésus. Je vais marcher dans l'obscurité. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. 1 Samuel 7, verset 3. Samuel 7, verset 3. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous de dieux étrangers et les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-lui seul. » Il vous délivrera de la main des Philistins. Amen. Verset 4. Verset 4. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu de le Baal et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Amen. Amen. La Bible déclare, Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul et il vous délivrera de la main des Philistins et les enfants d'Israël, ôtez du milieu d'eux les Baals, les Astartés. Nous allons maintenant, tu vas renoncer à tous les dieux de la famille. La Bible déclare, quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Nous allons renoncer. Il n'y a pas d'accord entre Christ et Bélial. Nous allons renoncer à tous les dieux de famille. Donc, nous ne sommes pas d'accord avec vous. Tu vas dire, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que la Bible dit ici, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial?
Bélial, on parle de l'accord. Il n'y a pas d'accord. Nous allons renoncer. Aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord avec tous les dieux de famille, avec les Baals, avec les Astartés, avec les hôtels de la famille. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis plus d'accord avec vous. Je brise les alliances avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par ma propre volonté. Par ma propre volonté. Et par la puissance du Saint-Esprit. Et par la puissance du Saint-Esprit. Moi, Amonce. Moi, Obed. Je déclare ce soir. Je déclare ce soir. Au tous les dieux de la famille. Tous les dieux de la famille. Vous les dieux de la famille. Tous les dieux de la famille. Je ne suis plus d'accord. Je ne suis plus d'accord. Avec vous. Avec vous. Je ne suis plus d'accord. Plus d'accord. Avec vos méthodes. Avec vos méthodes. C'est pourquoi ce soir. Ce soir. Je brise l'alliance. Je brise l'alliance. Avec tous les dieux. Avec tous les dieux. De la famille de mon père. De la famille de ma mère. De la famille de ma mère. Parce que je ne suis pas d'accord avec vous. D'accord avec ce, vous. Soir, ce soir, je renonce à vous. Je, renonce à vous. Je, vous je vous refuse dans ma vie, dans ma au nom de Jésus. Au nom de Jésus, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Je ne suis plus d'accord. Au nom de Jésus, oh Jésus, je ne suis plus d'accord avec les dieux de la famille de mon père, avec l'autel de mon père. Je refuse l'autel de l'éléphant. Je ne suis plus d'accord avec les léopards de la famille. Je ne suis plus d'accord avec la sirène de la famille. Je ne suis pas d'accord avec les bois de la famille. Je ne suis pas d'accord avec les zombies de la famille. Je ne suis pas d'accord avec la tortue de la famille. Tous les esprits de famille, avec les chiens de la famille. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec les oiseaux de la famille. Au nom de Jésus, j'annule les alliances avec vous. Je brise les alliances avec vous. Au nom de Jésus, je ne suis pas d'accord avec Kambamba. J'annule les alliances. Je brise les alliances avec les dieux de la famille. Au nom de Jésus, je brise les alliances. Avec l'éléphant de la famille. Je brise les alliances. Je brise les alliances. Robokosaka. Robokosaka. J'annule les accords. Annule les accords. Annule les accords. Les accords de ta famille. Avec les idoles. Annule les accords. Les accords. Les accords de la famille. Les accords de la coutume. Les accords de la sorcellerie. Les accords. Les accords. Les accords avec les serpents. Les accords avec la sirène. Les accords. Les accords avec les léopards. J'annule cet accord de mon grand-père. J'annule les accords de vos grands-pères. Je ne suis pas d'accord. Au nom de Jésus. Robokosaka. Ekerakasaka. Korobokosaka. J'annule les accords avec la sirène. Oh, je les neutralise. Par la puissance du sang de Jésus. Robokosaka. Jésus. 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 Annule les accords. Annule les accords. Avec Bélial. Les accords. Avec la sirène de la famille. Annule les accords. Annule les accords de ta famille, de ton grand-père, avec l'esprit des eaux, avec l'esprit des forêts, avec l'esprit des savanes, avec les petits chers, les accords de la magie. J'annule les accords de la magie de mon grand-père, de mes grands-parents. J'annule les accords au nom de la chefferie coutumière de Moutabou. J'annule les accords au nom de Jésus. Annule les accords. Annule les accords. Quand tu es fait depuis 1800, annule ces accords. Quand tu es fait à ma famille depuis 1806, j'annule ces accords par la puissance du sang de Jésus. Et c'est au nom de Jésus. Les accords sur les hôtels, j'annule ces accords au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 3 verset 1 à 3. Romains chapitre 3 verset 1 à 3. Romains 3, 1 à 3, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu l'ont été confiés. Et si
Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantirait-elle la fidélité de Dieu? Dis Amen. Amen. On dit, quel rapport y a-t-il entre les fidèles et l'infidèle? La Bible est claire. Quel est donc l'avantage des Juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière. Et tout d'abord, en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Tu as l'avantage, mon frère, j'ai l'avantage. Parce que les oracles de Dieu nous avons été confiés. Nous avons les oracles, nous avons la parole de Dieu. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Jamais. Jamais. Nous allons maintenant nous lever contre les infidèles. Que l'Éternel anéantit les compos des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Quels que soient les infidèles, même leur incrédulité n'anéantira pas la fidélité de Dieu. Quels que soient les infidèles de ma famille, de ta famille, les infidèles de ton entourage, nous allons anéantir, nous allons les anéantir. Nous allons anéantir les projets. On a les mains levées. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, par ma propre volonté, par ma propre volonté et par la puissance du Saint-Esprit, moi, Amonce, je viens parler maintenant à tous les infidèles, à tous les infidèles, les infidèles de ma famille, les infidèles de, ma les infidèles de mon entourage. Les infidèles de mon entourage. La Bible déclare, l'éternel anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Je viens anéantir vos projets contre ma vie, contre ma maison, contre mon église, contre mes affaires, contre ma santé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'anéantis tous les projets de l'ennemi, tous les infidèles, j'anéantis votre projet, j'anéantis votre projet, que ce soit des projets, des ténèbres contre ma vie, des ténèbres contre ma maison, des ténèbres contre mon épouse, des ténèbres contre mes enfants, des ténèbres contre mon église, au nom de Jésus, j'annule tous les projets des infidèles. Anéantis les infidèles. Anéantis les infidèles. Anéantis les infidèles. Détruis les infidèles. Anéantis les influences. Robokosaka. Rekabakasaka. Robokosaka. Robokosaka. Rekabakasaka. Jésus. Vous anéantissez les projets. Ils ne vont rien accomplir. Ils ne vont rien accomplir. Au nom de Jésus, Robokosa, Rekabakasa, Robokosa, les projets des sorciers, nous annulons les projets des sorciers, les projets des sorciers, au nom de Jésus, Robokosa, Robokosa. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci. Nous allons anéantir tous les projets des infidèles qui ont programmé la deuxième vague de Corona. Tous ceux qui sont en train d'attendre la deuxième vague pour notre destruction, pour détruire l'église, pour détruire les enfants de Dieu. Nous allons anéantir les projets de la deuxième vague de destruction des maladies. Nous allons anéantir cela au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons tous les projets de destruction de la deuxième vague de coronavirus, deuxième vague de maladie, tous les projets de la maladie, tous les projets de nous atteindre par les maladies, par le coronavirus. Nous détruisons ces projets. Nous anéantissons ces projets par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus, les projets de destruction de mes enfants, de mon épouse, de ma maison, de mon église, je détruis ces projets. J'anéantis ces projets. Les deuxième vague. Par la puissance du sang de Jésus, et cela au nom de Jésus, que ces projets soient arrêtés, que ces projets soient anéantis, au nom de Jésus. Rakabakasa, Rokoposa, Rekabakasa, Jésus, Rokoposa, 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 Rekabakasa, Rokoposa, Rekabakasa, Jésus, avec détermination, Jésus, Jésus. Jésus, deuxième vague de la coronavirus, ça Jésus, Chapitre 3, versets 16 à 17.
1 Corinthiens 3, 16 à 17. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est que vous êtes. Amen. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu les détruira. Dieu les détruira. Nous lisons toujours 1 Corinthiens 8, 10. 1 Corinthiens 1, 8, 10. 1 Corinthiens 8, chapitre 8, verset 10. 1 Corinthiens 8, verset 10. Nous en lirons au nom de Jésus-Christ. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Le chapitre 10, toujours de 1 Corinthiens, les versets 20 à 21. 10, 20 à 21. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Je te dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Amen. Amen. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible déclare, ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Mais je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas manger à la table du Seigneur et manger à la table des démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et boire la coupe des démons. On ne peut pas être en communion avec les démons. Nous allons renoncer à toute participation. Quel que soit là où j'ai participé, consciemment ou inconsciemment, à la table des démons. Là où tu as participé, mon frère, moi aussi j'ai participé à la table des démons. Même au village, on a participé, on a bu de la coupe des démons. On dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Dans les cérémonies qui se sont faites, dans les rites qu'on a faits, nous avons mangé à la table du Seigneur. Lève-toi là où tu es. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par ma propre volonté. Par ma propre volonté. Et par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Je viens maintenant me lever. Je viens maintenant me lever. Contre. Toutes cérémonies. Dédiées aux démons. Dédiées aux démons. Quelle que soit la cérémonie. Quelle que soit la cérémonie. À laquelle j'ai participé. À laquelle j'ai participé. À la table des démons. À la table des démons. Quelle que soit la nourriture. Quelle que soit la nourriture. Que j'ai mangé. Que j'ai mangé. Sur la table des démons. Sur la table des démons. Quelle que soit les breuvages. Quelle que soit les breuvages. Que j'ai bu. Que j'ai bu. Sur la table des démons. Ce soir, je renonce d'être en communion avec les démons, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, renonce. Au nom de Jésus, je renonce à toute nourriture que j'ai mangée sur la table des démons, tous les breuvages que j'ai bu dans la table des démons. Je refuse la communion avec les démons. Je refuse. Oh, je renonce à ma participation. Je renonce à ma participation. Roboko Saka. Oh, la chair que j'ai mangée dans la famille. Roboko Saka. La nourriture que nous a distribuée. Je renonce à cela. Roboko Saka. Jésus. Je renonce à la nourriture sacrifiée. Je renonce au breuvage satanique, au breuvage magique que j'ai bu dans les tables des démons, sur la table des démons. Je renonce à cela. Je refuse cela. Dans le nom de Jésus, je renonce à la participation à la table des démons. Au nom de Jésus. Jésus. Renonce à taper les mains. Renonce à taper les mains. Renonce à ce que tu as mangé.
ce que tu as mangé, le sur la table des démons, ce que tu as bu, la table des démons, ta participation, renonce au nom de Jésus, Rekabakasaka, Koromokosaka, Rekabakasaka, Jésus, 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 je renonce à toute nourriture. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être tu as participé à une cérémonie de famille. On vous a distribué un morceau seulement de viande. Et tu as mangé, tu as participé à la table des démons. Et le démon est allé prendre la place là où le Saint-Esprit devait habiter. Le blessé, celui qui votre corps est le temple du Saint-Esprit, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu les détruira. Maintenant nous allons, peut-être tu as bu seulement, on t'a donné un breuvage parce que tu étais malade, parce qu'il y avait une cérémonie dans la famille, on t'a fait boire. Et ce que tu avais bu là est allé s'asseoir quelque part. Et ça étouffe maintenant la puissance de Dieu, ça étouffe la manifestation de la puissance de Dieu. Nous allons invoquer le feu sur le temple de Dieu que tu es, sur ton corps, ton âme, ton esprit. Nous allons les mains levées. Nous allons invoquer le feu. Que là où se trouve, quel que soit l'endroit où se trouve, ces démons-là, nous l'appelons déjà démons. Parce que la nourriture là que nous avions mangée, les morceaux là que tu avais mangé, mon frère, est devenu démon. C'est ça qui va toucher peut-être les poumons pour devenir corona. Tu vas toucher peut-être les reins pour devenir maladie. Nous allons maintenant invoquer le feu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par ma propre volonté. Par ma propre volonté. Et par la puissance du Saint-Esprit. Moi, à mon sein, je vais invoquer le feu. Invoquer le feu. Sur tous les démons. Tous les démons. Qui sont logés. Qui sont logés. Dans mon corps. Dans mon corps. Dans mon âme. Dans mon âme. Dans mon esprit. Dans mon esprit. Qui sont entrés. Qui sont entrés. Au travers des cérémonies. Des cérémonies. De la nourriture. De la nourriture. Des breuvages. Des breuvages. Au travers de ma participation. Dans la table des démons. Table des démons. Ce soir, j'invoque le feu. Je vous invoque le feu, je vous consume, soyez consumé, soyez consumé, au nom de Jésus, invoque le feu maintenant, le feu, invoque le feu maintenant, le feu maintenant, sur tous les esprits, Roboko Sakabashina, on te localise, Roboko Yabakasaka, oh Jésus, dans nos salles, dans nos esprits, dans nos corps, se sont localisés quelque part, Jésus, invoque le feu pour consumer maintenant, que le feu vous consume, que le feu vous détruise, que le feu vous neutralise, que le feu vous paralyse. Jésus, Robocosaka, Rekabakasaka, Jésus, Jésus, c'est consumé, c'est neutralisé. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30. Matthieu 11, 28 à 30, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous
et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Amen. Prenez mon joug, mon frère, ma sœur, comme nous sommes détachés des jougs de la coutume, des jougs de la sorcellerie, des jougs de la famille. Il dit, prenez mon joug. Tu as dit, Seigneur, lève tes mains à l'air. Tu as dit, tu vas faire comme si tu recevais quelque chose. J'ai besoin de recevoir ton joug. Que ton joug léger, que je ne sois plus dérangé par les jougs de la famille. Inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, Saint-Esprit, inonde mon cœur. Inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, ô Saint-Esprit, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, Esprit touche ma vie. Touche ma vie, touche ma vie. Inonde mon cœur, Saint-Esprit, inonde mon cœur. Esprit de Dieu, inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Esprit, change ma vie. Change ma vie, change ma vie. Inonde mon cœur, Saint-Esprit. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Lève tes mains et dis, Seigneur, j'ai besoin de ton joug. J'ai besoin d'un joug léger. J'ai refusé le joug de la famille, le joug de la sorcellerie, le joug de la souffrance. Que c'est ton joug qui est léger. J'ai besoin de ton joug parce que ton joug est léger. Prie le Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de ton joug, éternel, mon Dieu, mon Seigneur. Parce que ton joug est léger, éternel, mon Dieu, mon Seigneur. Oh, nous avons renoncé au joug de la sorcellerie, au joug, éternel, mon Dieu, mon Seigneur. Oh, Jésus, de la coutume, éternel, mon Dieu. Au joug de la souffrance. Oh, Seigneur, nous avons besoin de ton joug, éternel, mon Dieu, mon Seigneur. Roboko Sakabashine, Koroboko Yabaka, Reke Yabaka Sakabashine, Koriabaka Sakabashine. Gloria baka saka raka ya baka korobo kosaka wa chine. J'ai besoin de ton joug. Le Seigneur, demande le joug. Je demande ton joug. Oh, le joug léger. Le joug léger. Jésus, Jésus. Oh, j'ai besoin de ton joug, Père. Roboko Sakabash. Le joug de l'éternel. Oh, Jésus. Sur ma vie, Jésus. Le joug de l'éternel, c'est le mot. Oh, Jésus. J'ai besoin de ton joug, Père. Un joug léger. Un joug léger. Roboko Sakabash. Un joug doux, oh, c'est le mot, Dieu, Père. Oh, je vais recevoir le joug de l'éternel dans ma vie. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Psaume 36, verset 10. Psaume 36, verset 10. Psaume 36, verset 10, nous en lirons au nom de Jésus-Christ. Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière nous voyons la lumière. Amen. Amen. Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière nous voyons la lumière. Lève tes mains, lève-toi, dis Seigneur, j'ai besoin de ta lumière dans ma vie, j'ai besoin de ta lumière dans ma maison, j'ai besoin de ta lumière dans mes affaires. J'ai besoin de ta lumière dans la vie de mes enfants, dans mes affaires, dans mes entreprises. J'ai besoin de ta lumière dans mon église. J'ai besoin de ta lumière. Prie le Seigneur, demande la lumière de Dieu. Dis, j'ai besoin de ta lumière. Roboko Sakabashide.
J'ai besoin de ta lumière. Jésus, j'ai besoin de ta lumière. J'ai besoin de ta lumière. J'ai besoin de ta lumière. Jésus, dans ma vie, éclaire ma vie. Éclaire ma vie. On demande que la lumière de Dieu éclaire ta vie. Éclaire ta maison. Éclaire tes affaires. Que la lumière de Dieu nous éclaire. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh que la lumière éclaire notre santé. Oh que la lumière nous éclaire. Oh que la lumière nous éclaire. Jésus. Jésus. Roboko sa. Rekebeke sa. Koroboko sa kabashia. Koroko yabaka. Jésus. Éclaire nos sentiers. Oh Jésus. Koroboko sa. Dieu Jésus dans nos vies. Jésus. Viens éclairer nos vies. Jésus. Viens éclairer nos vies. Jésus. Viens éclairer nos vies. Jésus. Jésus. Éclaire nos vies. Jésus. Jésus. Éclaire ta maison. Éclaire ton peuple, Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Josué chapitre 24, versets 14 à 15. Josué 24, 14 à 15. Josué 24, 14 à 15, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître le Dieu qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne le trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu vas recommander ta maison, même si les gens disent qu'il y aura la deuxième vague. Moi et ma maison, nous serons protégés. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nzambe, Nzambe, bate la kabana na yo. Sokoyo, o bateli elonga izali. Nzambe. Zambe, Zambe, bate la cabana na yo. Soko yo so, yo ne Zambe yo bate li elonga izali. Satana belemi. Liboso nanga na kombo na Yesu na kolonga Satana belemi liboso nanga na kombo na Yesu Yesu na kolonga Yone Nzambe Nzambe Yone Nzambe Nzambe Batela kabana Soko yoso Yone Nzambe yo bateli Elonga iza Oh Nzambe Yone Nzambe, ambe batela kabana. Oh, soko yo soko. Prie pour ta maison, prie pour ta maison. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu serviras l'Éternel avec tout. Que Dieu protège ta maison, qui protège tes enfants.
Que le sang de Jésus te protège. Protège de tout ce que tu es en train d'entreprendre. Protège de l'église. Protège de l'assemblée. Que le sang de Jésus te protège. Protège. Protège ta ville. Protège ta maison. Au nom de Jésus. Roboko sakalashine. Reke abakasaka machine. Roko yabakasaka. Oh Jésus, que ton sang nous garde et nous protège. Que le sang garde mon épouse, protège mes enfants, protège ma maison, protège éternellement Dieu, mon Seigneur, notre assemblée, protège les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, protège éternellement Dieu, mon Seigneur. Oh Jésus, ton église, Roboko Yabaka, Roboko Yabasanda, Reke Yabaka Sakabashini, Rokoboko Sakabashini. Esaïe 26, verset 1 à 3. Roboko sakabashinde kisaka. Roko yabaka sakabashinde kisaka. Roko yabaka sakabashinde kisakabashinde. Roko yabaka sakabashinde. Jésus. Jésus. Esaïe 26, 1 à 3. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. En ces jours, on chantera ces cantiques dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes, laissez entrer les nations justes et fidèles. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, la paix, parce qu'il se confie en toi. Amen. Amen. En ces jours, on chantera ces cantiques dans les pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne les salis pour mirail et pour rempart. Ouvre les portes. Laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Mon frère, ma sœur, la Bible est là, ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. Les fidèles, Dieu va ouvrir les portes. Après ce confinement, Dieu doit ouvrir les portes. Nous allons chanter la chanson. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus mon sauveur. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus mon sauveur. Oh, je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus mon sauveur. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus mon sauveur. Tu as dit Seigneur, ouvre les portes. Pour nous les fidèles, après ce confinement, Dieu va ouvrir la porte. Et ceux qui sont fermes, Dieu donnera encore la paix et la paix, puis le Seigneur. Jésus, ouvre les portes. Oui, Seigneur. Oh, nous sommes plus que vainqueurs par le sang de Jésus. Oh, Seigneur, tu vas ouvrir les portes. De nouvelles portes, Seigneur, pour les fidèles éternellement, Dieu, mon Seigneur. Oh, pour les justes éternellement, Dieu, mon Seigneur. Oh, tu nous rassures la paix. Tu nous rassures la paix. Tu nous rassures la paix. Jésus, à ceux qui sont fermes dans leur voix, tu rassures la paix. Tu rassures la paix. Goroboko Saka. Rekiabaka Saka. Oh Jésus, oh Seigneur, oh assure-nous la paix, 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 Jésus, Roboko Saka, oh Robokoya, Yakeba Sakabash, la paix dans nos vies, Jésus, la paix dans nos vies, Jésus-Christ, Père éternel, oh accorde-nous la paix, Jésus. Lamentation, chapitre 5, verset 21.
Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Amen. Amen. Fais-nous revenir à toi, Seigneur. Donne-nous les jours comme ceux d'autrefois. Tu vas lever tes mains et tu vas dire, Seigneur, donne-nous encore les jours comme ceux d'autrefois. Les jours heureuses, les jours de paix, les jours d'abondance, les jours de bénédiction. Lève tes mains et dis, Seigneur, donne-nous ces jours-là. Nous revenons à toi. Nous revenons à Dieu. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. C'est nous revenons à toi. Jésus, nous revenons à toi, éternel Dieu, le Seigneur. Nous revenons à toi, le Dieu Tout-Puissant. Nous revenons à toi, le Saint des Saints. Donne-nous les jours comme c'est d'autres fois, les jours où on avait du succès, les jours où on avait la paix, les jours de bénédiction, les jours d'abondance. Oh Jésus, réclame les jours d'abondance, réclame les jours de paix, réclame les jours d'abondance. Jésus, les jours de bénédiction. Jésus, les jours d'autrefois, les jours de prospérité, les jours de prospérité. Oh Jésus, rends-nous ces jours-là, rends-nous ces jours-là, au nom de Jésus. Dieu qui est Abaka, corps de la prospérité, les jours de la bénédiction, c'est le mot Dieu, rends-nous Jésus. Jérémie 33, versets 6 à 7. Jérémie 33, 6 à 7, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je le guérirai. Et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël, et je les rétablirai comme autrefois. Amen. Amen. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé et je les guérirai. Je lui donnerai la guérison et la santé. Nous allons réclamer que Dieu puisse donner la guérison et la santé à tous ceux qui sont dans leur maison, même ceux qui sont dans les hôpitaux. Que Dieu donne la guérison. Ceux qui sont malades, il donne la guérison. Même si tu n'es pas malade, il te donne la santé. Lève ta main droite. Yahweh tobe lemi pembe nina yoe yamba masanjoli tobonze li yoe bomo itopesa na yoe mite maposa na yoe e Yahweh Mama, papa, telemanankembo, katina biso, yaka mosungi na bato, tobele lioe, bomo ito pesa na yoe, mite maposa na yoe. Yahweh, kumama, kolo e kolo bongina no kumu, yonde mo santu, ozali kolo na nyonso, libanga na talo, bomo ito pesa na yo. Mite ma po sana yo e Yahweh kumama loboko na yo ya luya e Yahweh e sala kati na biso na kongo na Yesu babe. Babika bakanga mi bakangwa ma e Yahweh kumama loboko loboko na yo yangu ya e
biso na kombo na Yesu babeli babika bakangami bakangwama eyawe kumama loboko olobo na yo yangu ya e eyawe esala kati na biso voici, je lui donnerai la guérison et la santé et je le guérirai. Là où tu es, si tu es malade, réclame la guérison. Mais si tu n'es pas malade, tu as besoin de la bonne santé, lève tes mains, demande à Dieu que tu as dit, tu me donneras la guérison et la bonne santé. J'ai besoin de la guérison et de la bonne santé. Prie le Seigneur. Oh Jésus, donne-moi la bonne santé, Père éternel. Oh Jésus, je réclame, Seigneur mon Dieu, la guérison. Je réclame la guérison, Seigneur mon Dieu. Je réclame la bonne santé, quelle que soit la maladie, oh Jésus. Quelle que soit la maladie, je réclame la guérison. La guérison qui vient de Dieu. Jésus! Oh Père! La guérison et la bonne santé. La guérison et la bonne santé. La guérison et la bonne santé. Oh Jésus! Jésus! Vers toi, Père. Oh, la bonne santé dans ma vie. La bonne santé dans la vie de mon épouse. La bonne santé dans la vie de mes enfants. Bonne santé dans ma maison. Guérison dans ma maison. Guérison dans mon église. Guérison. Là où tu es, guérison. Guérison. Guérison pour tous ceux qui sont dans les soins intensifs. Guérison. Jésus. 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 Tous ceux qui souffrent, nous réclamons la guérison. Nous réclamons la bonne santé dans ton église. Jésus. Korobokosa. Robokosa. Jésus. Demande la guérison, Jésus. Robokosa. Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Jésus. Oh Jésus. Nous réclamons la guérison. La guérison. Jésus. La bonne santé. Jésus. Venez de toi, oh Père. Nous réclamons seulement la guérison, Père, et la bonne santé au Jésus. Il est écrit, je lui ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. De manière Dieu qui nous donne la paix, qui donne la paix au personnel médical, ceux qui sont au front, qui travaillent, les médecins, les infirmiers, qui donnent la paix aux autorités, qui donnent la paix au monde entier. Après cette maladie qui donne la paix, prions les Seigneurs. Oh, Jésus, donne oui, Seigneur, tu as dit, tu vas ouvrir une source abondante de paix éternelle, mon Dieu, mon Seigneur, et de fidélité. Donne la paix à ton peuple, Seigneur Jésus. Donne la paix au personnel médical, aux infirmiers, aux médecins, aux infirmières. Donne la paix, Seigneur, aux autorités du pays. Donne la paix, Seigneur, aux scientifiques, tous ceux qui sont en front éternel, mon Dieu, mon Seigneur, pour combattre la pandémie. Donne la paix éternelle, mon Dieu, mon Seigneur. Jésus. Touche le Père éternel. En accordant la paix, Seigneur mon Dieu. Tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, oh Jésus, accorde la paix, Jésus. L'abbé déclare, je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël et je les rétablirai comme autrefois. Amen. Amen. On dira à Dieu, nous voulons que tu nous rétablisses, que tu rétablisses le monde, que après cette pandémie, après le confinement, que Dieu rétablisse l'Église, qui rétablissent le gouvernement, qui rétablissent les affaires, qui rétablissent le commerce, qui rétablissent tous les projets, qui rétablissent les entreprises, qui rétablissent toutes choses. Au nom de Jésus, prions les Seigneurs. Oh Jésus. Oui, Seigneur, nous prions pour le rétablissement éternel, mon Dieu, mon Seigneur, de nos vies, Seigneur, après ce confinement, après le coronavirus, rétablis les entreprises, Seigneur, qui étaient en faillite, rétablis l'Église, Seigneur Jésus, rétablis l'Assemblée, rétablis éternel, mon Dieu, mon Seigneur, les familles, oh, Jésus qui était séparé, rétablis le gouvernement, rétablis le pays, rétablis les nations, rétablis l'Église, Jésus, rétablis, oh, le rétablissement, Jésus, de toutes choses. Rétablis, Seigneur. Rétablis les affaires. Rétablis, Seigneur, toutes choses. Rétablis ton peuple, Jésus.
Oh, viens rétablir Jésus. Il n'y a que toi, Jésus. Oh, Jésus, rejetant de David, l'agneau immolé, lion de Juda, étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire, oh Seigneur, oh, alléluia. L'agneau immolé, lion de Juda, étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire, oh Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te remercions parce que tu as dit, vous recevrez une puissance sûrement sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, au Père. Nous te bénissons, Jésus-Christ, parce que le Saint-Esprit était venu dans nos vies pour que nos vies soient transformées, Père. Nous te rendons grâce pour la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies, Père. En ce moment, oh Jésus, nous voulons quitter ce lieu, Père. Nous recommandons nos vies entre saintes mains. Nous recommandons la vie de ton peuple entre saintes mains. Nous prions que la gloire, la puissance, le règne. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.